Les canulars ne sont pas propres à notre époque. Le plus célèbre remonte à 1938, lorsqu'Orson Welles réalisa une adaptation radiophonique de La Guerre des Mondes. Quelques auditeurs trompés par l'émission avaient réellement cru à une attaque extraterrestre. Les canulars permettent parfois de mettre en perspective des situations réelles. Le 13 décembre 2006, la RTBF interrompt ses programmes afin de diffuser une émission spéciale sur la déclaration d'indépendance de la Flandre. Une question dans l'air du temps à l'époque qui a permis de susciter une réflexion sur la question. L'apparition de sites d'information satiriques comme le Gorafi, qui créent de toutes pièces des articles plus absurdes les uns que les autres, sème parfois le doute dans l'opinion publique. En effet, une fausse interview de Macron lui faisait déclarer « Quand je serre la main d'un pauvre, je me sens sale pour toute la journée ». Relayé par des militants d'extrême droite et des ouvriers, ce canular a le rire jaune. Mais sommes-nous si loin de la réalité ? En pleine période de chasse aux fake news, le canular a mal. Et oui, de plus en plus de presse suédoise boycottent le canular du 1er avril de peur que la fausse nouvelle se répande. Engagé, politique ou humoristique, il y en a pour tous les goûts. Le canular, à sa manière, pousse les individus à se questionner sur des sujets parfois profondément ancrés dans nos mœurs que l'on ne penserait pas remettre en cause.